des leaders à Eagle, vous me recevez? Oui. Ok, vous pouvez faire le prochain débarquement. Vous pouvez débarquer sur Hôtel Bis, enfin un peu en arrière d'hôtel comme on avait prévu. Vous débarquez l'infanterie là et vous commencez peut-être vos passages en restant derrière la crête. Merci. Décollage de la base. La fumée, elle vient de certainement du lac. Doudou. Ouais. Jette un petit coup d'œil très très rapide sur l'ouest. S'il n'y a rien, tu Ouais, commences à décoller vers Juliette. c'est ce que j'allais ce que j'allais demander. S'il n'y a rien sur l'ouest, on avance sur Juliette tout de suite. On voit qu'il y a des dalles. Viens ici, à coup. Ouais. Ici, on a un bon visu hein, sur l'ouest. Hein. Tout en étant protégé. Hein. Ok. Regarde, t'as un visu là sur la ville. Il y a du monde dans la ville. Il y a du monde. Ville. Il y a du monde, la fortification. Ok. Non mais c'est surtout sur avoir le. C'est pour le chemin de assaut là. Je regardais surtout le Ah ouais. nord-ouest. Nord-ouest, y a rien, c'est clair. Ouais, je te laisse là et j'avance sur Juliette. J'ai Ouais, une petite je fumerole bouge à avec moins vous de de toute façon. 180, ça doit être la Ok, mine. d'accord. Discret sur Juliette par contre. Ouais, pas de soucis. C'est quasiment imperceptible. Ok, rouge, vous allez partir en direction du 200, on va aller sur Juliette, on vous suit. Doudou, Ouais. une fois sur Juliette, tu fais une reco rapide, tu quand j'arriverai pour te rejoindre, tu me donneras les points clés, d'accord? Ok, d'accord. T'as dit quoi, tu passes devant? Izu, tu me reçois? Je te reçois. Ok, la zone SF, tu débarques, tu me rejoins tout de suite là vers ton sud là sur la maison. Enfin sur l'hôtel. Reçu. Ok, chef, on est là. Ok, tu pars nord-ouest, tu vas sur tac 1, tu t'arrêtes sur tac 1, tu prends position et tu commences à regarder ton vecteur d'approche sur Kilo. Ça marche. Moi je vais sur Juliette avec le groupe soutien, on a déjà un bon visuel sur la ville donc on devrait bien pouvoir vous couvrir. Excellent, concernant le chemin, vous avez déjà prévu d'ici à Attaquant, c'était clair ou pas? Ouais, bah y a rien, mais fais gaffe quand même, Ça c'est marche. pas très loin, mais fais gaffe devant toi, essaie juste d'avancer rapidement, on va avancer en ligne à la rigueur. Ça marche. En bas colonne, hein, Froggy devant, Fritz Fison, Godet droit. On part en ouest. Ils sont où les gredins?
commandement de Eagle. Pour information, le seul compound qu'on a identifié sans contact civil sur place, c'est le compound Papa. Tu confirmes, c'est le seul compound où vous avez repéré des civils, c'est ça? Négatif, le seul compound où on n'a pas repéré de civils. Ok, c'est reçu. Ouais, qu'est-ce que tu dis, Doudou? À gauche du feu, tu confirmes que c'est un camion? Ouais, c'est un camion non armé, camion citerne. Okay. Il y a une bâche aussi à droite du feu, à droite de Papa, avec sûrement véhicule léger non armé aussi. Effectivement, je vois un camion. S'il y a du véhicule armé qui vient, ça viendra sûrement de la frontière sud. Alors j'ai placé Eagle en stand-by avec une lecture de tout ce qui vient du sud. Tu prépareras ton javelin s'il faut. Ok, d'accord. A priori, on n'a rien du tout sur le sud. On est rentré un peu dans la zone ennemie, on n'a rien vu. Ok, c'est bien reçu. On s'attend à ce qu'il y ait sûrement des véhicules blindés ou non qui puissent arriver de par le sud une fois qu'on sera repéré, donc jeter un œil de temps en temps. Non, pour l'instant, j'ai pas d'endroit à vous donner, alors continuez à survoler et acheter un œil un peu à droite à gauche. Oui. Tu vas prendre la place à Drenac. Ok. Et Drenac, si ça fonctionne bien et qu'on prend pas de tir, est-ce que tu nous autorises à faire de la reconnaissance d'haute altitude vraiment directement au-dessus de la position? Les blindés risquent d'arriver du sud, alors Non, négatif, ce sera pas nécessaire pour l'instant. On a l'hélico quand même qui est en observation justement pour les blindés, donc on sera un peu prévenu à l'avance au cas où. Ça marche. Ah bah tiens, je peux penser à faire un tiens. On sera fixé si je l'attends. Ouais, j'ai la thermique. Ah bah c'est nickel. Alors, un leader pour Eagle. Est-ce que vous avez repéré âmes qui vivent dans tout ce qui est à l'ouest de l'objectif entre les deux zones rouges et vertes? L'occasion de tirer sur trois ennemis. On attend que vous passiez pour tirer ou engager contre vous. Ouais, négatif. Ouais. On a du monde. Vous menez votre assaut, vous prenez la mine, vous faites tout ce que vous avez à faire dessus, vous déminez. Une fois que la zone est clear, vous nous prévenez. Nous, on vous couvre simplement. Ok, reçu. Ah, le personnel sur le toit là aussi, c'est reçu. Des petits bouts de quelque chose, mais on n'est pas sûr qu'on ait se rapproché. Répète, j'ai pas eu toute la com. Pas de soucis. On se rapproche pour mieux voir ce qu'il y a au nord. Ok, c'est reçu. On voit bien ici. Ouais. C'est calme. Ici, assez, on va devoir faire un petit détour, on a un contact derrière nous. Ok, c'est reçu. Eagle. C'est moi. Quand vous avez terminé, essayez de jeter un coup d'œil autour de TAC 1. On a le groupe d'assaut qui doit être aux alentours de TAC 1 et qui avance sur Kilo. Essayez de voir s'ils ont personne sur leurs arrières, etc. Pour l'instant, j'ai deux mecs armés. Merci. Doudou ? Ouais. S'il faut faire du. Ah, quand je disais de préparer le javelin, c'est pas non plus de rester comme ça, comme un con. Hein. T'as non, mais je suis pas. Je fais de la reco. Ah, ok. Excuse-moi. Non, il a la thermique donc. Putain, les mecs sont taqués quoi. S'il faut faire du tir à longue distance ici, t'es bon en équipement ? On a la mitrailleuse, mais. D'ailleurs, t'as des lunettes et tout ce qu'il faut dessus ? Ah, ouais, oui, non, on a des optiques, c'est bon, on est bien. Ok. Que je me suis pas renseigné là-dessus, mais ça aurait été con de vous placer là si vous avez rien pour tirer. Non, on a de l'optique, t'inquiète. Peut-être jeter un petit coup d'œil derrière nous aussi. Et tiens d'ailleurs, quand je vois certaines vidéos, des mecs ont un ce serait bien bête de se faire surprendre. Je rêve ou sur le mouton il y a quelque chose? Pardon? Le mouton en 250, il y a un mouton et j'ai l'impression qu'il a quelque chose sur lui.
T'es pas C'est la piégé gemme, au tu moins. dis? En 250. Théorique. Si on vient de finir la pas possible de placer reconnaissance une sonore, mine sur un a priori bouton. c'est désert. Bon, on va donc se diriger vers TAC 1 pour Attends, je vais déjà essayer faire de la recommander. Le Et juste à droite de la ville, hein. Non, y'a rien le mouton. Y'a une tache noire dessus. Ah, c'est une tache de mouton, quoi. Ok, d'accord. Celui qui est à droite. Ouais. Qui est tourné vers la gauche, c'est ça, il se rapproche de la ville en mangeant voilà, des gros herbes. Je vois rien ouais, d'ici. C'est ça. Il y a une tache de mouton. Ouais, ça doit être ça, je pense. Ok, pour assaut. J'écoute. J'ai envoyé Eagle sur votre position pour essayer de faire de la reconnaissance sur vos arrières et voir s'il y a encore du monde qui peut vous surprendre. Moi aussi, merci. Le mouton piégé. Mais t'as bien raison, faut se méfier. Ah, n'est jamais trop prudent. Soldats qui se dirigent vers 0.37, 0.43, je répète, 0.37, 0.43. Il y a plusieurs personnels armés en ville, notamment sur les toits. D'autres petits groupes en périphérie, notamment vers le sud. Certains affolés qui seront eux plus de notre côté. Ok, 0.37, 0.43, donc tu confirmes au nord-ouest de TAC 1, c'est ça? Ouais, je vous ai vu à la thermique. Désolé, j'ai pas compris. Tu confirmes au nord-ouest de TAC 1, 037, 043. Confirmé. Ok, c'est reçu, ils sont assez loin, je vais les prévenir. Ok, pour assaut. Assaut, j'écoute. Vous avez deux contacts loin au nord-ouest en 037 043, c'est environ 700 mètres, donc vous êtes tranquille. À la rigueur, je vais demander à Eagle de les fumer. Reçu, merci. Commandement de Eagle, si vous voulez, on peut engager pour vous en débarrasser. Ouais, c'est ce que j'allais vous demander. Si vous voyez rien d'autre autour de TAC 1, engagez-les et nettoyez ça. Il y a des petits mecs planqués partout dans les campagnes, quoi. T'as vu des positions fixes, lourdes, mitrailleuses ou quoi? Non, non, non. Ok, on a que du léger, a priori. Enfin, d'après ce qu'on voit. On voit tout ça sur la mine. La mine minée. Ennemi traité. Ok, bien reçu. Je vous laisse continuer à faire vos patrouilles et à votre guise pour l'instant. Bon, il y a un mec que j'ai perdu dans la ville. Il y a un déplacement. Moi j'ai qu'un seul armé, qu'un seul mec qui a un joueur armé et qui est sur le toit. Ouais, qui prend dans l'air là, moi, c'est ça. Mais tout ce qui... Tous les compounds là qu'on a au sud, ils ont l'air vraiment vides. Kompung là qui est en le plus proche là en 160, il y a un mec, ouais, il y a un civil. Et tous les autres ils sont. Ils ont vraiment l'air abandonnés. Ok, ça se bagarre, c'est très bien. Ils sont alertés en ville. Ouais. C'est là que ton boulot va commencer, Doudou. Ouais. Ouais, effectivement, le compound proche là il est plutôt au 220. Il y a plusieurs hommes.
dénombre 4 contacts armés, voire 5. Et là, il y en a encore. Mais c'est du civil. Attention, Max, on prend des coups. Ah bah, le mec sur le choix. Deux roulades à gauche. Ok. De toute façon, je reste au niveau du rocher. Je vais pas m'exposer. Ok. Ok, ASO, comment ça se passe? Si assaut tout va bien, par contre on a des problèmes de son, on n'entend pas nos partenaires tirer. Ok, d'accord. Vous avez nettoyé Kilo, vous êtes dessus là? Affirmatif, Kilo est nettoyé, on va déminer. Ok, bien joué les gars. Ils ont pas trop envie de se bouger le cul, les ennemis, hein. Ok, pour info, donc tout à l'heure, ce que m'a dit Eagle, c'est que le seul campement où ils ont pas vu de civil, c'était l'objectif. Donc, papa. Ok. Les autres, il faut se méfier et bien faire attention au tir. Pas d'explosifs sur les. Sur les bâtiments civils, ça va de soi. Ça va y avoir un CQB quoi. Ouais. Ça va être ouais, ça va être tendu. Pour assaut surtout. Je vais essayer de leur prévoir un chemin le plus sécur possible. Je me décale sur la droite. Là. Notamment au 230. J'ai une signature derrière l'arbre, en visuel. En lien naturel, je comprends pas ce que c'est. Et en thermique, il est à moitié caché par l'arbre. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas, hein. Et de la route là. Non, non, il était dans une maison. Ok, Doudou. Ouais, je t'écoute. Sur la ville, tu vas me faire du tir de précision, essayer d'abattre toutes les sentinelles, toutes les cibles qui sont capables d'entraver l'avancée d'assaut dans la prochaine phase. Ok, bien pris. Bon, Warzen. Oui. C'est là qu'on va commencer à s'amuser. J'ai une cible prioritaire pour toi, Doudou. Vas-y, dis. Attends, c'est en 220, il y a un mec avec un igla sur le dos, dans un compound, le dernier compound tout au fond. Ok, ouais, je l'ai vu. Il faut le fumer lui, en priorité. 220. Ouais, attention, il le sort. Igla, attention, attention, vous avez des potentiels hostiles avec igla sur la zone. Ah merde. Il est touché. Oh, putain. Descends, je vais essayer de stabiliser, je vous rappelle quand on est mort. Ça va être chaud pour la caisse là. C'est le rotor arrière qui est touché. Ouais. J'essaie de nous ramener vers la base pour la réparation. Pourquoi ce pilote de... Mais t'as sûr. Ça c'est une super bonne idée ça. Bon courage les gars. Non, quelle reprise. Doudou. On arrive, on dirige vers la base, négatif. Tu commences les oui. Tirs sur les cibles d'opportunité, tu défonces tout ce qui est anti-aérien en priorité. Hein. Okay. Il y en a deux au moins dans le fond. 220, ouais, mais... tu vois le mec dans une porte là. Ouais, fais gaffe, t'as un civil devant. Tu me fais des tirs dessus, hein. Okay. Vas-y, je te guiderai. Ah, j'ai pas vu. Attends, je suis dans le sol, ça déconne. Ah oui, parce que je te voyais pas à un moment donné. Invisible. Ouais. Ça va mieux. Vas-y.
plus haut. Non, je l'ai touché. Hein. Il y en a un deuxième à droite. Il y en a un deuxième à droite là, mais il sort. Il sort du compound. C'est bien, bien joué le premier tir. Ok, ils vont commencer à bouger. Ils vont commencer à avancer vers toi peut-être. Est-ce que je peux me décaler pour tirer sur les mecs qui sont beaucoup plus à droite? Ouais, vas-y, vas-y. D'opportunité, alors, hein. Toi là. Hop. T'as un bon visu hein, dessus, hein. J'arrive pas à voir si ça touche. Vas-y, vas-y, vas-y. Ouais, à peu près. Ouais, t'es bon là. J'ai vu la traçante, t'es bon. Bagne. C'est bon, tu l'as eu. Autorise la vieille à faire feu s'il faut. Bon, pour info, c'est 750 mètres ouais, à peu près. Hein. Ça va faire loin là pour le jeu M4. Hein. Ben, on retourne sur 220, on surveille. Hein, parce qu'il y avait le. C'est quoi la situation d'Eagle là? Ouais, j'allais lui demander justement. À Eagle, vous me recevez? Non, ça va, on prend notre temps histoire de pas crasher l'engin. Ok, impeccable, prévenez-moi quand vous avez réussi à vous poser. Bon, il ressort ce con avec son Eagle là? Ah, ça, commandement, des nouvelles de l'hélico. Ouais, l'hélico est parti se reposer à la base. Ils sont pas encore posés, mais ils y vont doucement. Ils espèrent pouvoir réparer une fois là-bas. Donc, on croise les doigts pour eux. Parfait, merci. On le voit plus avec l'igla là-bas. Est-ce que vous me recevez? Pas celui ouais, qui confirmé. Était dans la porte? Non, non, il y en avait un autre. D'accord. On n'a plus d'essence. Ici à ceux qui même ont endroit. Trainé, ainsi que des armées. Ok, reçu impossibilité de réparer. Ok, il y en a au coin d'un mur en 245. 245. Il est couché, il est au coin du compound à la sortie de la ville. C'est reçu à ce. On nettoie un peu le terrain pour que vous puissiez. Ouais, avancer t'as la petite ensuite. Ruine, entre la petite ruine ouais. Et le gros tas. Voici. Tu le vois là? Il est en ouais. Train de ramper là. Allez, allume-le. Miguel, vous me recevez? Ouais, ouais, on reçoit. Bah, attends, il est en train de se cacher, il est en train vous de bouger. Vous avez la possibilité de réparer ou pas? Je vois on plus. La possibilité de réparer, j'ai demi canon. Ouh, mais il nous tire dessus. C'est plus inquiétant, je vous tiens au courant, mais on a le réservoir qui a été endommagé un petit à peu la plus haut. Les chances à couler. Ok, reçu, on va voir si on peut pas trouver une solution. Assaut. Il y a encore une courte rafale dedans. Vous avez un véhicule sur place? Ouais, je le vois plus. C'est bon, c'est ce qui tire. Un camion ainsi qu'un petit jeep. Ok, vérifiez si vous en avez un que vous pouvez conduire et qui a un réservoir plein. Ouais, si on check. Pour info, il y a un camion en ville. Ouais, ouais. On a eu un camion citerne. Non, il y a un camion. Ouais, non, du coup, on n'a pas de jerrycan à bord. On va voir s'il y en a un à la base. On vous tient au courant. Ah oui, sous la toile. Sous la toile. Même pas. Non. Qui ont, Doudou, je fais un mini AFK, désolé. En 230, ouais, vas-y. Je retourne vite. Camion bleu. Ok. Ah oui, ouais, putain, ouais, l'arrière. Voilà, l'arrière. Ici, on a le camion qui forme à télévision. Répète et confirme, il y a un camion qui a de l'essence et que vous pouvez conduire, c'est ça? Confirmez, la Jeep est à peu près un peu cachée. Ok, reçu. Restez en stand-by. Pour Eagle. Si besoin, on a trouvé sur Kilo un camion avec le réservoir plein. On peut essayer de le rapatrier sur la base pour au moins recharger un peu l'hélico. Ouais, ce qu'il nous faut juste, c'est un jerrycan histoire de pouvoir redémarrer et aller à la base. Je t'avouerai que je connais pas exactement encore la distance à laquelle on est peut-être assez loin, donc je te tiens au courant. Ok, reçu. T'espères trouver un jerrycan à la base, je pense pas que t'en auras. À coup, ça donne quoi au sud? Peut-être pas, dans l'absolu, commencer le trajet avec le véhicule. Non,
normalement sur, le... Attends, ah, sur les... La vieille, pardon, ça donne quoi au sud? Ok, reçu. Ok, pour assaut. Assurez-vous qu'il y a bien un jerrycan à bord. Assaut, j'écoute. Vérifiez qu'il y a un jerrycan dans le camion. Et si oui, vous allez faire chemin vers... Enfin, tu vas envoyer un binôme faire chemin vers la base. On a l'hélico qui s'est posé à mi-chemin. Ils sont en rate d'essence, ils ont réparé l'hélico, mais ils sont en rate d'essence et donc il faudra leur rapporter. Donc vérifie d'abord que t'as un jerrycan dans le truc là. Reçu, regarde. Il va commencer à faire nuit bientôt aussi à coup. Hein. Ouais, il va falloir qu'on se magne. Quoi le statut sur la mine, Doudou? La mine est clear. Clear. On a pas de jerrycan, d'accord. Où il y a tous hein, le groupe assaut a clearé la mine. L'objectif n'est pas validé. Hein. Merde. C'est bon mec, j'ai récupéré le visuel sur la base. Pour Eagle, mauvaise nouvelle, il n'y a pas de jerrycan dans les véhicules. Donc pour transférer le fuel, ça va être de la merde. D'accord, on est à peu près à 1 km, je crois, au sud-ouest de la base. Oui. Je croise les doigts pour vous, Eagle, vous êtes seul. Donc le groupe assaut a réussi à clearer la mine. Hein. Bien compris, okay, le disco a été réparé et on va voir ce qu'on peut faire pour l'échange. Donc pour assaut, on laisse tomber pour l'opération de sauvetage. S'il n'y a pas de jerrycan, ils doivent se démerder seuls, ils vont retourner à la base pour voir. Je vais commencer à vous faire avancer sur l'objectif, patienter pour le vecteur. Assaut reçu, au pire on a toujours deux véhicules avec l'humidum recuit pour aller jusque là-bas. On amène les deux véhicules et ainsi et on revient avec un véhicule pour le laisser que vous pourrez chercher un jerrycan ou autre à base. Non, négatif, là on va passer à l'assaut et la nuit tombe donc vous serez pas trop de 4 pour faire ça quoi. Ok, reçu. On a plus de reco aérienne pour voir si des véhicules arrivent par le sud, donc il faudra de temps en temps que tu jettes un œil à la thermique avec le javelin, Doudou. Ok. On va juste attendre un peu pour que Boudet se reconnecte. Donc la vieille, on a plus de reco aérienne, donc surveille bien le sud à la thermique. Hein. Alors, par où est-ce qu'on va les faire passer? Courir à l'entraînement. Ah, ils vont avancer. Ok. Doudou? Ouais. Je vais les faire avancer sur N3. Ils vont longer sur le mur est de N3, sur N2, novembre. Ok. Et ensuite, ils reboucleront vers l'ouest pour aller sur papa. Comme okay, ça, on d'accord. Gardera un visu sur eux tout le long du mur. Ok. Ouais, ça semble pas mal. Ok, pour assaut. J'écoute. J'ai votre vecteur d'approche pour l'objectif. T'es prêt à ouvre ta carte et dis-moi quand t'es prêt à écouter. Ok, je suis bon. Ok, depuis Kilo, vous allez utiliser un peu le relief pour avancer sur,
sur objectif sur Wolak. Le but, c'est que vous atteigniez le campement de Novembre 3. Novembre 3. Vous longerez le mur est de Novembre 3, le mur est de Novembre 2. Vous ferez une petite pause sur Novembre, et ensuite vous partirez vers l'ouest en avançant vers Papa. Est-ce que ça, c'est reçu? C'est reçu à 100%. Ok, de notre position, on pourra garder un visu sur vous et assurer au maximum le soutien depuis Juliette. S'il faut, on se déplacera sur Juliette Bit ou Juliette Tiers. Vous ferez gaffe, il y a beaucoup de civils sur zone, il y a sûrement des mecs un peu partout dans les campands, et pour l'instant on n'a pas encore nettoyé Papa. Ah, reçu. Pendant la progression à découvert jusqu'à N3, je vous conseille, vous faites comme vous voulez, mais je vous conseille de faire ça en perroquet ou tiroir au choix. C'était prévu, effectivement. Quand vous voulez, vous partez, vous donnez le signal. Reçu. T'es prêt à les couvrir, Doudou? Ouais, c'est bon, on est prêt. Ok, nickel. Donc à tous, donc pour vous informer que le groupe Asso va passer par N3, N2, Novembre et piquer à l'ouest sur Papa. Donc ils vont rentrer en ville, on aura un visu dessus. Donc si on a des tirs à faire, il faut bien checker. Hein. Ça c'est bugué. T'as eu des nouvelles du deuxième mec avec l'Igla là? Non. Ok. Bon, de toute façon on n'a pas l'hélico, mais sait-on jamais. Juliette Bis et Juliette Tiers, c'est où ça? Ouais, c'est sud-ouest là-bas. C'est pas terrible. Non, ça va pas être terrible. J'ai regardé tout à l'heure. Ça fait un homme en moins sur Asso. Ok, Asso, faut que vous soyez parti dans 60 secondes maxi là. Ok, reçu. Donc là, c'est feu à volonté sur tout type d'opportunité hein, pour soutien. Mec de 7, tu me reçois? Tu veux que je file le médic à Asso parce que. Je t'en sois, à la 343, cette porte. On attendra qu'il soit sur les murs. Ok, d'accord. Ok, vas-y, raconte ce que t'as à dire. Bah, juste pour informer. Un acte, entendu. Il y a rien, il y a des verricanes avec des plein d'éclenches, mais je peux pas prendre les verricanes pour rien. Et même pas. Pour Asso, si vous êtes que 3, une fois que vous serez sur novembre 2, novembre 3, on essaiera de vous envoyer un homme sur place, en plus pour soutenir un peu votre escouade. Reçu. Ou autre, hein, si tu veux que je leur donne. Mais bon, la T et la mitrailleuse. Ouais, vaut mieux les garder à distance, surtout le javelin. Y a pas un des servants gunner qui pourrait se pointer? Gunner hélico, parce que là, avant que l'hélico y... Là, ils sont loin, donc ils sont en train d'essayer de sauver l'hélico, là. Alors, Eagle, comment ça se passe pour vous? Ça se passe qu'on a trouvé... Et pauvre. Oula, j'entends pas la fin, les gars. Présence de Jerrican, vide. Avec des bidons d'essence pleins, mais je ne peux ni prendre des jerrycans, ni interagir avec les bidons. Vraiment, tu as rempli tes jerrycans et t'es en train de te diriger vers nous, Alénien. Ok, en face, hein, c'est Asso, hein. En contrebas, là. Hein.
Je les vois pas. Ah oui, d'accord. Juste en contrebas. Ok. Allez donc, et. Ok, vas-y, envoie leur un homme là, ça va être bon. Ok, Ranak, t'y vas? Je la rejoins. Je la rejoins. Il y a visiblement un camion hein, sous le, fil, le filet de camouflage. Ouais, hein, ouais, on l'avait vu. Ouais. C'est leur canal, c'est bien canal 2. Canal 2, ouais. Attention, on va présenter le sur un. Bah non, ils sont 4. Ah non, non, c'est un civil. Ouais, c'est les... ouais il y a ouais, un ouais, civil qui se balade. Écoute, leader. Les leaders assaut, t'as un homme qui te rejoint sur zone normalement là. Ok, pour Eagle, au final, vous pensez pouvoir réutiliser l'hélico ou pas? On attend le, la personne. Affirmatif, l'hélico pourrait être opérationnel d'ici 8h, je dirais. D'ici 8h? Voilà, d'ici 8h. Ok, si vous n'avez pas moyen de restaurer l'hélico et que vous n'avez aucun moyen de déplacement, bah revenez à pied sur... nous, on est encore sur Juliette, essayez de revenir dans la zone, on aura sûrement du boulot pour vous. Merci. Bon, les pauvres, ils font de la marche, hein, mais... Et 8h, c'est dans... Non, dans c'est dans pas longtemps. Minutes. Ah, il a dit dans 8h, il n'a pas dit à 8h. Dans 8h? Ah ouais, d'accord, ok. Putain. C'était une blague, quoi. D'accord. J'avais compris à 8h. Moi, ouais, j'avais compris à 8h aussi, donc... Doudou. Ouais. Une fois qu'on aura pris papa, tu vois le campound qui est en 215. 215. Isolé. Sur la crête là-haut. Loin. Bah, ah, est... ouais. 215. Ouais, tout ouais. Ouais, tout là-bas, ouais, ouais. Je vois. C'est là-bas que tu prendras position, au cas où il y aurait des renforts qui viendraient par le sud. Ok, d'accord. Donc ce sera un rush sur cette position. Pour l'instant, on bouge pas. Engage, ouais. À peu près vers où ils regardent, je vois pas d'ennemis, mais il y a beaucoup de végétation devant eux. Ok, dans le premier, dans le compound où il y avait l'igla, j'ai l'impression qu'il y a un mec qui s'est relevé, non? Il y a un mec là, dans la porte. Je rêve.
Tu rêves. Oh là. Non. Non, je rêve. Ouais, peut-être. Warzen, tu peux moi faire un tir, tu te rappelles là où t'avais buté le mec avec l'Igla? Ouais, ouais, sans problème. Il y a, il y a des mecs. Il non, non, c'est des civils, c'est des civils. Civils, civils. Bon. Non, c'est bon. Par contre, contact 225. 225. Dis assaut de stopper, là, on a du contact 225. En train assaut, de, qui va leur tomber dessus. On a du contact devant vous. On va essayer de les traiter de notre position. Je les vois pas, je vois une smoke violette par contre. 200. Au pied d'un arbre. Je vois pas tes mecs. Hein. 225, regarde, y'a des mecs là. Voilà, là. Tu les as vus? Il y en avait un deuxième. J'en ai vu qu'un. Ah oui, c'est derrière les arbres. À la gauche de la. Ouais, à la gauche de la. Vas-y, hésite pas à en mettre plein la gueule, hein, mais de la surprise. Ouais, mais je sais pas où ils sont, nos hommes, donc. Ouais, ils sont sur la droite. Ils sont sur la droite de la. T'inquiète pas. Ok. Attention, j'ai 500 bastos. Hein. Ah, 400 en fait. Bon, ok, cesse. Tu crois que ça a été traité? Il a vu quelque chose? Ouais, il est là, il est là. Ok. Il est à terre. On cesse le tir, cesse le tir. Ah non, je l'ai eu. Ok, assaut c'est traité, vous pouvez reprendre. Il y en a un deuxième, il y en avait un deuxième sur la. Il était sur la gauche. Tu l'as vu Ouais, je l'ai vu fuyant là, tout de suite. Sur la droite, ouais, ouais. Fuyant sur la droite. L'assaut. Doudou. Ouais. Je pense qu'on va avancer vers la position que je t'ai donnée là. T'es d'accord. On va avancer dessus, on y va, on sprint comme des gros bourrins, on prend position dessus et on essaie de les recouvrir depuis là. Ok, bah je vais d'abord prendre par 180... 195 et puis remonter. Essayer de contourner quand même. Tant que ça va vite, c'est bon. Ok. Je vous suis de toute façon. Ok à tous. On va partir 195, okay, donc rouge devant et moi je... C'est nous. Ça va? Vous avez encore des jambes? Ouais, ouais, là on vient de... On va décoller, on va essayer avec les 30 litres... 195, et en fait le but c'est de remonter sur la maison en 220. Le compound en 220. Ok, bon boulot les gars, s'il faut essayer de vous poser au niveau de... Au niveau de kilo et de refuel. Allez, au niveau des véhicules. C'est parti, c'est parti. Ok, ok. On passe par 195 et après on remontera sur la maison en 220. Si vous avez besoin de carburant, essayez de vous poser sur kilo et refuel avec les véhicules qu'il y a sur place. Pour l'instant, donc on file en 195 et après on remonte donc sur la. Ouais, 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 effectivement. Si vous avez assez de carburant à la base, faites donc. Vous me dites quand vous décollez, je vous donnerai la situation de l'infanterie alliée pour pas qu'il y ait de tir de blue on blue. Ils sont repartis, Eagle ? Ouais, ils sont repartis. Ok, pour assaut, bonne nouvelle, on a Eagle qui va à nouveau être dans les airs. Doudou, ça veut dire qu'il faudrait cleaner le compound avec l'Igla. Assaut reçu, on a un gars à terre. Ouais, ouais. Mais c'est pour ça que je veux contourner. Ok, assaut, s'il faut temporiser, on est en train de changer de place avec soutien. Vous avez plus de soutien pour l'instant, on est en train de changer de place pour mieux vous soutenir ensuite. Reçu, on temporise. Là on est azimut 210 la vieille. Ouais, prends un peu plus sur la droite. Sur ma droite? Ouais, ouais. Gauche. Gauche, pardon. Non, je confonds la gauche et la droite. Bah la gauche c'est là où t'as le pouce à droite.
Ouais, c'est gentil. Classique. J'aime bien celle-là. Un tout petit peu plus à droite, la vieille. Voilà, c'est bon là. Parfait. Mais pour les données d'ordre, essayez de les donner à la radio. Bah, ouais, même avant de faire le truc, moi j'étais de l'autre côté, j'ai rien entendu, je sais pas où est-ce qu'on va, je sais pas ce qu'on fait. Et ouais, pas de soucis. Là, on part quand même dans la pampa, là, Doudou, hein. Ouais, ouais, je sais. Ok, tu repiques sur le 230. Merde, il est vachement en contrebas. Je pensais pas qu'il était autant en contrebas. Oh, c'est pas grave, on va voir. C'est la baraque... Ouais, c'est la baraque en face. Qui est devant nous, là. Okay. Attention à ton flanc droit. Ouais, ouais. Donc les mecs avec l'igla étaient sur notre droite, hein. Ouais, ouais, ouais. Juste sur la droite, là. La baraque avec le toit rond là. Mmh. Ouais, c'est ça. J'espère qu'on aura un bon visu sur la ville de là-bas, parce que l'idée ça aurait été de pouvoir les soutenir, mais aussi d'être plus proche de la frontière, ouais, ouais. Frontière sud. Sinon on remontera, hein, tant pis. Je sais pas pourquoi la perspective de là-haut, ça me faisait penser que c'était un peu en hauteur. Mmh. Attention en entrant. Ouais, ah ouais. Droite ou gauche? Gauche. Ok, je prends l'arrière. Ça va être tout pourri d'ici. D'un choc au moment, tu peux demander aux IA de pas tirer, de plus bouger. Avec mon interface, je peux pas donner tous les ordres. Alors, essaie de voir si tu peux pas prendre le lead de l'équipe d'ISO. Non, pas de problème, on l'a meloté, il bouge plus. Bah voilà, bien joué les gars. Bon, on essaie de voir en prendre une position de soutien, mais il se peut qu'on ait pas un bon visuel, donc je te tiens au courant dans quelques secondes. D'où? Soutien? Ouais, je t'écoute. Prenez une position ici, essayez d'avoir un visu sur... Ok, c'est tout pourri, Doudou, on va avancer sur la maison qui est en azimut 5. Donc on va commencer à avancer sur les abords de la ville. En 5? Ouais, 5. Il y a une maison avec un toit, on y va. On va être vachement vachement à découvert là sur le flanc droit. Hein. Je vais contourner. Ok, on va sortir par l'arrière, on va. Non, franchement, vas-y là, direct par le nord, c'est bon, ça passe tranquille. Ok, allez. Parti direction nord. On fait attention à l'avant et au flanc gauche et ça ira. Flanc droit aussi. On vient d'y passer au flanc droit, ça va aller. T'inquiète pas. C'est Mike 1 et Mike 2 droit devant ou c'est autre chose? C'est N1. On va aller.
vieille. Ok, plein nord, la vieille. Hein. Assaut toutes les unités, nos positions actuelles, ouais, c'est N1, novembre N1. Ok, c'est reçu. Nous, on va arriver sur, novembre 5 dans ce coin-là. On va essayer de soutenir depuis là. On arrive dans quelques secondes et je te donne le top pour continuer ta progression. Reçu. Au coin. Et on est sur N5. Tu veux qu'on continue Ah, on est sur N1 là. Bah normalement ils sont à l'intérieur alors. Assaut, tu confirmes que t'es sur N1, N1, N1? Je confirme, novembre 1. On l'entend pas. Ok, on investit les maisons. Ouais, vas-y, rentre là-dedans, essaie de prendre un visu sur le toit. Go. Première pièce arrête. Cours arrête. Ok, on investit. Deuxième arrête. Maison arrête. Pour rentrer. Ouais ouais, rentre en compte. À l'autre coin, j'ai pas entendu. Ah ouais, ils sont là-bas, N1. Ok, Asso, on est aussi sur N1, donc on va vous couvrir d'ici, vous allez pouvoir reprendre votre progression à partir de maintenant, il y a juste deux campements à franchir pour être sur. T'as un accès au toit si tu veux, Warzen. Ouais, d'accord. Ok, Warzen, tu te mets en haut. Tu prends un visu en haut. Asso, hein, c'est Asso devant. Ouais, ils sont là-haut. Tu vois quelque chose d'ici? A priori, je me demande s'il n'y en a pas un homme touché là. Sur le nord-ouest, faut que tu regardes. Fais du smurf sur le nord-ouest. Je suis derrière le mur. Déploie Warzen, déploie-toi et garde un visu sur le nord-ouest là. Ok. Ah, la fumée et tout le bordel. La vieille ? J'écoute. Vu que t'as la thermique, de temps en temps tu me jettes un œil sur tout le sud là, toute la crête. J'arrive. Ouais. Ah, c'est un feu de poubelle là qu'ils ont fait. Je sais pas. Ouais, c'est tout pourri aussi d'ici en fait. On avance sur les toits suivants, ça devrait être mieux. Tu crois? Ouais, ouais. Warzen, avance-toi sur les toits suivants, là. T'appelles les toits suivants? Par là, ouais, ouais. Ouais, de temps en temps, tu fais un petit scan tout le long, là, pour voir s'il y a quelque chose qui arrive. Mm. Ouais, t'as un bon visu, là, sur papa. Attends, je regarde, il y avait la... D'accord. Un meilleur visu là sur. Miguel, sur... comment ça se passe? Ouais, j'ai un visu, mais j'ai un visu de toi. Hein. J'ai. Ah ouais, mais ça. Ouais. Au final, on était pas mal là-haut, hein, ouais. Dommage. Ok, c'est là qu'il va falloir faire gaffe. Et on est sûr que le mec avec l'igla là est buté ou pas? Non. Eagle, vous me recevez? Doudou? Ouais. La maison en 335 là, tu vois celle avec les fenêtres et le balcon. Ouais. C'est là qu'on va. Ok. Oh putain, attends, c'est quoi ça? Donc à tous, on va en maison 335, donc on va redescendre, putain, on passe nord. Putain, c'est la guerre. T'as un mec qui a l'air d'être près du feu là-bas, non? Je sais pas, le problème c'est que... On voit que des têtes. C'est ça, et je suis incapable d'identifier les ennemis des amis là.
Quand on parle, non, quand on par la gauche, quand on par la gauche, quand on les murs par la gauche, là, on va essayer de voir ce qu'il y a. Ok. On descend, on va sortir par, par l'entrée sud. Entrée sud, et on va contourner par. Asso, ça se passe? On avance, on avance. Il y a un blessé. On soigne, on continue. Ok, non, parce que ça avait l'air d'être la putain de guerre chez vous. On va contourner par la gauche pour aller leur apporter un soutien à Asso. Faut vraiment faire gaffe au target. On a la même gueule. Ouais. On passe par où on va où longe le mur, ouais. On n'a pas de nouvelles d'Eagle pour l'instant. C'est bien ça, c'est un feu de poubelle qu'ils ont fait. Ouais. Je Par contre, checkez bien vos tirs avant de tirer. Hein. Continue à longer. Ouais. À la rigueur, continue à longer vers le nord là. On rejoint la maison qui est en face là, avec le toit, tout en face là. Maison en face avec le toit. Ok, on a du contact. Non. Dans la. Putain, on dirait qu'il est en train de se rendre. Soit ça doit être un prisonnier. C'est un prisonnier. C'est pas un prisonnier, c'est un ami. Mia qui... Wellreed, d'accord. Continue. Ouais, vas-y, fais un bond jusqu'à la maison, on te couvre. Ta ligne de feu. Ouais. Ok, on investit le compound, on check les maisons. Warzen, tu iras te placer sur le toit. Ok. On va bien finir par avoir un visuel quand même. Coureur AS. Commandement de Eagle, vous me recevez? Ouais, je vous reçois, ça fait du bien de vous entendre. Ici, on est sur papa, on nettoie. On est en train de passer. Mettons le reste. On commençait les appels radio sur toutes les fréquences, donc du coup on a la casse sur le cul on et on se dirige vers la zone d'opération. Ok, patientez, je vais voir si papa est sécurisé, c'est pas sûr. Warzen monte sur le toit là où je suis. Okay. Pour assaut. Bien pris. Oh merde. J'écoute. On a Eagle qui arrive. Vous êtes sur papa là ou pas? Affirmatif, on nettoie la position. Ok, vous me dites quand c'est sécurisé, on a Eagle qui est en stand-by avec la caisse. Pour info, on a toujours pas l'objectif. Ok, t'essayes de trouver un... Ok, Eagle, essayez de rester en stand-by là. Pour l'instant, on n'a pas encore nettoyé papa. Avec ton thermique. Eagle, tant que vous y êtes, essayez de jeter un œil sur toute la zone sud pour voir s'il n'y a pas des ennemis qui nous débouleraient par-dessus par là. D'accord, vous voulez qu'on abandonne peut-être la casse quelque part, histoire qu'elle soit pas trop loin de la zone d'opération si on se fait, venait à se refaire abattre? Alors, on va pas servir à grand chose ici. Asso, pour le moment, papa nettoyé. Non, négatif, Eagle, vous pouvez avancer sur papa et commencer votre approche. Papa est nettoyé, donc commencez l'approche et déposez la caisse. Ok, Asso, sécurisé, mal la zone, il y a Eagle qui arrive pour déposer la caisse. Dis-moi, tu veux pas qu'on avance sur le compound en sud-ouest de papa? Non, ça sert pas à grand chose. Sud-ouest de papa. Ouais, je sais pas si vous aurez un visuel. L'autre côté de la route. Celui qui est là-bas en 230 là, 240. Ouais. Ouais, ok, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Go. Si je t'avoue j'ai pas suivi. Où est-ce qu'on va? Bah, tu me guides comme t'as pu. Ouais, pas de soucis. On sort pareil sud. Attention à vous. Petite sortie sud. Ouais, go. Ok, on prend sud là. On va prendre sud. Non, passe sud, par l'ouest. Passe ouest. Il faut traiter le contact qui tire sur l'hélico là. Ok. On essaie de le déloger avant de partir sur l'autre côté. Caisse déposée.
Ok, nickel, Eagle. Reprenez votre position au niveau de la crête et essayez de faire un scan pour voir ce qui se passe. Tu l'as eu, la vieille? Négatif. Attention au tir allié sur papa, attention au tir allié sur papa. Ouais, attention au tir sur papa, il y a des alliés dedans. Il a plus l'air sur le nord, non? Ouais, il est sur le nord, mais on va checker le campement qui est sur le nord, là. Il me semble qu'il y avait des mecs à l'intérieur, là, ici. Rouge, arrêtez, attendez. Il est sur le nord. On a commencé à tirer, mais est-ce que tu nous autorises à engager les cibles autour du campement? Ouais, vous tirez, on est tous autour de papa, donc vous tirez pas sur papa, mais pas pour t'identifier, pas de perte civile. Oh, c'est qui ça? Oh. Doudou? Ouais? Faut me fouiller le campagne c'est qui est juste sur mon nord là. Soutien, attention, contact à votre nord-est. Sur ma gauche là. Ok, rouge, on essaye de trouver une ouverture sur le campagne qui est au nord là. Reçu. Faites attention à tous les secteurs. Attention à droite là. C'est reçu, assuré. Pourquoi il ne veut pas tuer? La chance des bonjours. Ça peut être ça. Ok, nickel. C'est bon les gars, c'est bon. Ça gère. Check ses tirs. Gueule, check ses tirs. Ouais. C'est fait, j'ai son prévenu. Non, fermé. Continue. Ok, Eagle, oubliez pas que vous êtes en papier crépon. Allez, hein. Ok, on rentre, on sécurise et on souffle un coup. Ok, c'est du bon boulot. Okay, sur OS1 là, ok. Ok, pour assaut. Assaut, j'écoute. Dans le bâtiment pour l'instant, je suis avec soutien. On est sur Oscar 1. Comment ça se passe de votre côté? Vous avez perdu Veldred et est-ce que vous avez réussi à remettre debout l'homme qui était blessé? Affirmatif, tout va bien. Veldred est sur November 1 attaché. Il bouge pas. Ok, donc vous êtes 3. Ouais, bien, non, j'allais dire te mettre sur ça. Ok, c'est nickel. Maintenez le secteur sud et sud-ouest de votre côté. Hein. Ok, on prend le nord-ouest, les gars. Enfin, si vous pouvez. Je crois pas que vous puissiez. Là. Merde, pardon. Je vais monter là-haut. Nord-ouest? Ouais, attends. Je vais te dire ce que je vois. Asso, essaie de me faire un check sur les caisses, voir s'il y a du matériel dedans. Ouais, si, je vais voir. Warzen? Ouais. Tu vas le bâtiment à l'ouest et tu me checkes la sortie au nord-ouest. Je verrai une sortie. Oh, non, dans le bâtiment là, dans le bâtiment en 300 là, le bâtiment ouest. Et tu verras, il y a une sortie au nord-ouest. Assaut, médicaments, armes, munitions, ce qu'il faut. Ok, dans ce cas, assaut réapprovisionné. Un bon visu d'issue. Des consignes particulières, commandement? Pas pour l'instant, Eagle, je réfléchis. Apparemment, on n'a pas traité correctement la mine, donc on va sûrement se replier par là et faire un passage par là. Eagle, sur Kilo, sur la mine, il y a les deux véhicules qui étaient présents. Vous me les fumez à la mitrailleuse. De toute façon, je vois pas de civils sur zone. Doudou? Ouais, je suis là. Va sur la position papa, est-ce que si t'as besoin de réappro, tu réappro sur les caisses. Ok, d'accord. On se dirige vers la mine. À l'entrée sud-ouest.
On va aller en face, on va aller pouvoir se réarmer s'il y a besoin, ok? Là où c'est rouge. Ouais, c'est parti. Ouais, ouais, là où c'est rouge. Allez, Eagle, Eagle, je veux que ça pète. Allez-y, c'est bon, c'est bon, c'est clear. Hein. Dassault a commandement l'Ural sur lequel il tire et celui-là qu'on a vérifié, il est vide. Ouais, c'est bien reçu. J'aurais quand même demandé de faire péter au cas où. Ok. Ok, Asso, je vais vous demander d'aller au pas de course sur la mine. Yel en stand-by. Je vais vous demander d'aller au pas de course sur la mine, de checker open fin, voir s'il reste pas des mines ou du bordel à de quoi s'occuper sur zone. Reçu. Ok, c'est reçu, Eagle. Y a Asso qui va faire mouvement depuis Papa jusqu'à Kilo. Vous les couvrez pendant leur traversée. Partez à Sap, hein, saut. Ici, Asso, on est déjà parti. Ils sont à cran, hein, le soutien. Ils se font engager par les hostiles. Je tire au-dessus d'eux pour les soutenir et c'est moi qui les engage après. Ah ouais, un soutien, hein. T'entends, soutien? Il est pas là, soutien. Comment? Ah non, c'est pas soutien, pardon. Allez, bougez-vous le cul, faut que ça se termine là. Soutien, essaie de voir si tu peux pas juste au nord-ouest du campement, voir si tu peux pas sécuriser une LZ pour Eagle. Ouais, je vais prévenir le commandement. Commandement de soutien. Ouais. Asso, ils vont pas avoir besoin du matos de déminage. Si, pourquoi ils ont pas le démineur avec eux? Négatif, on n'a pas de démineur, mais c'est un problème. De toute façon, la mine, toutes les mines ont été désamorcées et sont juste laissées sur place. Ok, d'accord. Bon, vous faites ça, vous essayez de passer ça au peine fin, voir si on n'a pas oublié quelque chose et tout ça. Puis s'il y a une mine, on se démerdera. Merci. S'il n'y a plus de civils sur zone, on fera tout péter. Ok, pour Eagle, préparez-vous à atterrir au nord-ouest de Papa, juste au nord-ouest du campement. Nord-ouest de Papa, t'as dit? Ouais, je confirme nord-ouest de Papa, à proximité du campement. Ok. Ok, soutien, sécurise la zone pour l'atterrissage de Eagle. Ok, il va atterrir où? Au nord-ouest de Papa, à la proximité du campement. Balance une fumille. Pardon, balance une fumille ou un truc comme ça s'il faut. Ok, à tous, on va sortir nord et on va aller au nord-ouest de Papa pour aller créer une LZ pour une gueule.
Putain, c'est vrai que tu peux pas lancer un truc quand t'as tes putains de jumelles. Tu confirmes que tu me signales quand je dois me poser? Ouais, tu peux te poser maintenant sur fumée violette. Allez, c'est parti. On va en ouest et on sait qu'on fait une LZ pour... Bah, au niveau de la fumée, là, on sécurise... C'est bon, hein. Alors descendre sans se casser une jambe. Ok, Eagle, tu peux couper les moteurs. Ça va être une réussite pour cette mission. Bon, sauf si tu vois rien, tu reboucles sur nous, hein. Ça sert à rien de s'éterniser non plus. Tu veux qu'on aille les chercher peut-être? Non, on va les faire courir un peu. On va préparer... Nous partagerons ma souffrance. On aura le temps de préparer un petit photo finish. Ok, bah nous on va sortir les... Parce que nous on a des trucs à craquer là pour faire de la couleur. Ah ouais. Donc on les prépare autour de l'hélico, si tu veux bien. Ok les mecs. Faites-nous du beau spectacle. Si c'est des consommables, fais gaffe parce que... Ah non, les ceux-là, ils font... Oui, les non, gros, je parlais là... juste des lumières rouges, moi. Les trucs gris... Les gros trucs gris, par contre, ça se consomme vite, ça. Ok, ouais, on non, a bien qui nous préparer une petite scène pour faire la photo finish. Ah, c'est reçu, on dépêche vite. Trop mignon. Alors, on va éviter de lancer des grenades. Oui, je sais pas qui c'est qui a eu l'idée de me donner des grenades. C'est vrai que c'est très utile à un copilote. Ouais, salaud. À coup. Ouais. Doudou est en train de perdre sa connexion là. Ah non, pas le moment de la photo finish. Il a pas le droit. Ça mouille au camor là. On met l'hélicoptère à côté de lui. Non. Non. Non, on a fait toute une petite mise en scène et tout. Une petite bleue. Attends, je vais en mettre une petite bleue. Manquerait plus qu'il soit noir. Noir l'hélico et ça donnerait supercopter. On n'a pas de bleu. Supercopter croisé avec K2000. Allez, Doudou. Ça s'est passé comment, du coup, au sol, pour vous? Bah, plutôt bien, en fait. Comme sur des roulettes. Bien tendance promenade de santé ou bien tendance se pense c'était chouette. Faut voir avec Asso, j'étais pas avec eux, mais je pense que ça s'est bien déroulé. Genre promenade de santé. Quelle ambiance, regarde-moi ça. On préparait aussi les feux à main pour le moment du screen, là ça va devenir assez pyrotechnique. On dirait un show pour adultes quoi. T'as l'impression d'avoir été dans un bordel, d'être dans un petit... hélico-porno. Dans un petit isoloir en face, là, avec les lampes. Ouais, ouais. Dans le petit bazar pour avoir le rideau qui s'ouvre. Je savais pas qu'on était dans un salon de tuning pour hélico. Ah mais elles sont en train de s'éteindre en plus, non? Peut-être. Ok, à ce nous voilà. Allez, tout le monde prend la pause. Et puis je suis désolé pour... on se met côté gauche. Oh, Doudou, je peux le faire peut-être... Côté gauche de la photo. Ah, je me mets avec mes hommes. Non, je me mets à côté. Derrière. Putain, je vais faire une crise de spasmophilie là. Merde, je l'ai pas lancé dessus, Bab. Non, pas sur le truc, ça. Oh, oh, ça tue. Oh, putain, ça tue. Oh, putain. Ah, putain. Faut péter la dubstep, quoi. Ah, pas
c'est qui prend la photo là? Qui prend la photo? Y'a personne qui prend c'est la photo. Doudou, hein. Doudou qui arrive. Ah bah moi je prends une photo, mais avec mon jeu ça va pas être très joli. Faut se mettre en spectateur. Ouais, moi je peux me mettre en spectateur, mais. Ah ouais, du coup, mettez-vous en spectateur. Ah non, mais là c'est psychédélique. Hein. Ah merde, attends. Oui, presque. Oui. Dernier ami qui se réveille. Oui. Bordel, le grenade, ils ont fait réagir. Ah merde, c'est déjà fini avec le psychédélique. Ah putain, c'est un truc de dingue. Franchement, belle opération de sauvetage pour l'hélico, hein. On n'y croyait pas. Hein. Allez, remettez-vous face à la caméra, j'en fais encore. C'est un RPG qui vous a eu le renfort. Non, Nico, il y a moins de. Vous l'avez réparé. Tu as pété dans la queue derrière moi et. C'est bon. On réparait avec des chewing-gums. C'est ça. Il y a un truc. Sur la caisse mais hein.